Le radeau de la Méduse, les révoltés du Bounty. Mais tu te rends compte le nombre d'images que tu nous as envoyées au visage. Bravo à ceux et celles qui t'ont aidé à faire toute cette très belle mise en scène. Franchement, l'idée du bateau, c'est toi, l'idée du bateau? Oui. Oui. Bon, oui. Je me suis mis en rouge. Rosso. C'était... Non mais comment fais-tu pour être encore plus technique? Et en plus en jouant cette fois-ci, autant la toute première fois devant nous, eh bien on était vraiment dans le technicien, on en avait parlé, plus sage, le bouton jusqu'en haut, les cheveux sages et tout, le technicien. Et là maintenant, ça y est, tu deviens comédien, et voilà, et ton art n'est plus qu'un alphabet pour nous raconter encore d'autres histoires. Merci d'être là. Merci. Rémi, on est émerveillés, tu sais. Tu as annoncé que tu t'inspirais d'un univers du Petit Prince, qui est un de mes livres de chevet. Et là, tu as été le Petit Prince des airs. Vraiment, tu as fait qu'un avec les éléments. Tu as utilisé le vent, tu as utilisé nos yeux. Tu as donné des yeux d'enfant à ceux qui te regardaient. Et c'est ça, le Petit Prince. Je suis vraiment émerveillée. Oui. Je suis d'accord avec les copains. Je trouve que non seulement la mise en scène, mais à chaque fois, c'était un meilleur numéro. C'est la troisième fois qu'on vous voit. Et la troisième fois, vous nous avez émerveillés encore plus que les deux premières fois. Et aussi, aujourd'hui, on a vu quelqu'un, un artiste. On voit votre force physique, mais on voit aussi votre force intérieure. Parce que c'est pas évident d'être un artiste aujourd'hui. Et surtout, je pense que cette discipline, c'est pas la plus facile de réussir dans cette discipline et de se faire un métier de cette discipline. Et on le voit avec vous. Et vous avez une passion pour ça. Et nous, on le sent. On le ressent et le public le ressent. Donc, félicitations. Merci Rémi. Beaucoup. Waouh. Rémi, je suis fan. C'est incroyable. En fait, tu me l'as dit, j'étais venu te voir dans un cirque et quand tu es passé ici, je ne t'ai pas reconnu parce que le numéro que tu avais proposé dans ce cirque était tout à fait différent. C'était très clownesque, tu m'avais fait mourir de rire. Et le fait que tu aies une discipline aussi large, que tu sois capable de me faire mourir de rire et de produire des images aussi poétiques, mais tu es vraiment un grand, grand, grand artiste. Merci beaucoup. Et pour finir, j'aimerais te dire ce que me dit ma femme juste après l'amour. Merci. Bravo. Et c'était trop court. Voilà. Bravo. Merci Rémi. Merci beaucoup. Merci.